Bonjour les petits amis! Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien cette semaine, car cette semaine est particulière. Oh, ça oui! Et oui, puisque notre ami Mortis Ghost n'a pas pu. Enfin, a eu un petit empêchement. Oui. Donc, Ouais, à je la sais. place, nous l'avons remplacé par un invité de marque, hein, puisqu'il s'agit évidemment de Saturnome. Hello! que vous connaissez peut-être grâce à son blog, qui est déjà parmi les plus fameux. Voilà. Merci. Bah oui, mais je pense que la plupart des gens te connaissent déjà, non? Enfin, j'espère que vous connaissez son blog. Si ce n'est pas le cas, allez vite y faire un tour. Alors, bon, on a prévu des trucs assez particuliers. Attendez, tac, on va On faire s'est dit qu'on allait ça. faire un best-of de tous les meilleurs jeux vidéo qui existent. Ah, ça c'est pas mal ça. Et on va commencer d'ailleurs avec quelque chose de pas mal, puisqu'il s'agit de... Quelque chose comme Geki Cowboy 2. Ah, Voilà. attendez, on va y arriver. Oula, attendez, je vais agrandir ça, vous inquiétez pas. Là on est pas mal, là on est bien là. Ah oui, là on parle. Ouais, il y a le bourg qui est un peu. Bon. Peut-être resserre un peu quand même. De l'air, on fait ça un peu. Voilà, voilà c'est. Ce stream de cette semaine, ça va être un peu. Ça va être pépouze quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être tranquillou, peinard, pas de prise de tête. Voilà, donc c'est un jeu assez particulier. Est-ce qu'il est sorti ailleurs qu'au Japon? Ailleurs que Il avait prévu de le sortir en Europe sous le titre de Polaroid Pete, mais au moment imminent de la sortie, il y avait la pochette, les publicités, tout était prêt. Et finalement, non, plus personne s'est mis à parler du jeu. Le jeu est jamais sorti. Et bref, heureusement, on a la version japonaise Ah. qui va nous amuser sans aucun doute. Eh bien, je pense. Je baisse un peu le son, désolé, j'ai totalement zappé cette histoire de son. On va le baisser comme ça. Vous me dites si là c'est bien ou pas. Il faut me dire à quel point on est bon. De quel son il s'agit. Est-ce que c'est les micros ou est-ce que c'est pas les micros? Bra 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 bra. Voilà, vous me dites si le son est bien. Sinon, on augmente le son du jeu. Voilà, tout ça, c'est à vous de me dire. C'est bien, très bien. Eh bien, Sinon, c'est parti. Bob, j'ai pas d'accent en fait, c'est juste que j'ai un rhume en ce moment, donc c'est pour ça que peut-être que ma voix est bizarre. Et non, honnêtement, si vous m'entendez éternuer, me moucher ou quoi que ce soit, sachez que c'est moi, je m'excuse d'avance. Voilà. Là, voilà, c'est forcément le festival d'Angoulême. Hein, ça nous amène Des à des. rencontres surprises avec des virus, qu'on s'échange tous dans la bonne humeur. Ah, très bien. Alors, nous entendons presque pas le jeu. Presque pas le jeu. Bah, je vais le monter un peu. Attendez, bougez pas. Voilà, comme ça, est-ce que c'est bien? Dites-moi. Alors, voilà. Donc, on va commencer ce petit jeu. Alors, on va rien y comprendre, a priori, vu que c'est un jeu japonais. Mais apparemment, le but, c'est de donc prendre des photos. Oui, il faut prendre des photos. En fait, on est un reporter qui doit prendre en photo une manchette particulière à chaque niveau, mais on peut également prendre des photos de tout ce qui se passe ailleurs dans le niveau afin de cumuler des points. Et pour passer niveau, il faut avoir pris de 1 la photo du scoop qu'on veut avoir pour ce niveau-là et un certain nombre de points. Donc, Ça va être compliqué. ça va être très compliqué. On va tenter de faire notre mieux. On va faire de notre mieux. Mais bon, voilà, on verra si, jusqu'où on arrive à aller. Mais est-ce qu'on va même réussir le premier niveau? Ben, heureusement, j'ai été m'informer un petit peu Ah. pour savoir de quoi il s'agit exactement pour chaque niveau. Et comme je disais, un truc en particulier qu'il faut prendre en photo. Et donc, pour le premier niveau, il faut prendre en photo une prise d'otage. Une prise d'otage, d'accord. Ouais. Très bien, et eh bien voilà, donc. Mais c'est une prise d'otage qui se passe dans le décor, c'est ça? Oui, quelque part, à un moment, on voit une prise d'otage, faut la prendre en photo et c'est bon. Si on la rate, on ne peut Oui, pas. C'est fini. c'est raté. Ben, on termine le niveau, mais à la fin du niveau, ça nous dit on n'a pas réussi à voir la photo qu'il fallait. Donc, c'est ça. Cette photo-là et un certain nombre de points, je crois que c'est 10 000 points pour le premier niveau, j'en ai aucune idée. De toute façon, on va rater à coup sûr. On va faire n'importe quoi. Et puis, Non, mais ça. Non, non, ça. Alors, oh là là.
Très bien. Des prochaines destinations, le Japon. Bel atterrissage. Est-ce qu'ils étaient déjà au Japon? On ne sait pas, ils ont peut-être juste fait un tour du monde. Petit 360. Voilà, c'est ça. Alors, premier niveau, c'est parti. Ah, il a tout raté le début. Il a tout raté le début, Megaboy. Non, mais t'inquiète pas. Alors, comme tu peux le voir, on joue à un jeu qui s'appelle Gekibo 2. Et c'est un jeu où il s'agit de prendre des photos. Ça, alors, il m'a dit, ça me fait penser à un jeu dans Game & Wario. Est-ce que tu as joué à Games & Mario, pardon, et Wario Exaiva? Pas du tout, je vois pas ce que c'est. Eh bien, moi non plus. Oh là, ça commence. Hop, c'est parti. Alors, c'est vraiment assez drôle hein, comme jeu. Donc là, il y a des types qui vont glisser. Ah merde, ok. Ouais. Non, prends des photos, c'est comme ça. Tac. Ouais, là, c'était je... trop tard. Là, c'était au bon moment. Ah, c'est bon. Je sais pas si ça, ça me permet d'aller plus vite. Ici, là, lui. Ouais. Et il fait une pause parce qu'il y a des types accrochés au gratte-ciel. Ah oui, oui. Ouais. Merde. Ah, merci. Lui, lui. Ah non, c'est pas assez. Non, c'est pas assez bon. Alors, comme vous avez pu voir, c'est assez. Ouais. Attends, tu me dis, il faut que tu me dis. Oh là là! Ouais, zoom pas trop parce que tu perds un peu les décors. Ah oui, oui, bien vu. Ah, mais ça. Ah merde, il faut. Ah oui, c'est au moment où il. Ouais. C'est le type de jeu qu'on joue une fois, puis ensuite on sait un peu mieux quoi faire. Parce qu'en fait, je me déplace pas, c'est-à-dire que c'est un scrolling automatique en quelque sorte. Ouais. Et donc je dois être attentif et rapide. Tel un vrai journaliste. Tel un journaliste de Gameblog. Et Marie Gamin qui faisait pipi. Ah, j'ai tout raté. Je crois que la prise d'otage était là aussi. Non, ouais, ah, dans le train, mais ça ouais, va super. La deuxième fenêtre. Aïe. Aussi, c'est ça, quand t'as un objet qui arrive, qui va te ralentir, tu peux le photographier pour le faire disparaître. Ok, d'accord, ok. Comme ça, voilà, oui ouais. Je l'ai raté. Ouais. Faut être rapide. Hein. Ouais, c'est ça, puis moi, en fait, j'ai jamais zoomé la fois que j'ai essayé. Ah, très rapidement. Peut-être que zoomer n'est pas le bon. Ouais. C'est vrai pour un objet qui est loin peut-être. Mais là, j'ai déjà raté le truc. Attention, attention. Oh, oh là, non mais. Bon, c'est le premier essai, hein, c'est le premier essai. Alors, je l'ai pas mal celui-ci. Ah non, même pas. Il y a des petites flèches hein, quand on peut. Ok. Alors là, attention. Des pellicules gratos. Je pense que j'aurais pu prendre la montgolfière aussi. Prendre la montgolfière? Ouais. Ah oui, oui. Ouais. Godzilla. Il va tirer quelque chose. Ah, mais je me suis pris quelque chose aussi. On est 10, il faut un gif animé. Ah, il faut un gif animé. Alors attendez, à la fin de ce niveau, un petit gif animé. Ok. Putain, mais déjà 10, mais ça c'est l'effet Saturnum, ça. Oh et oui. Oh là là, j'ai raté l'avion. L'avion était très bien pourtant. Et Saturnum, n'hésite pas à lire le chat. Hein. Ouais, c'est, je m'en occupe. Attention, hop. Oh, j'aurais pris juste un peu avant. Ah, mais ouais, non, ouais. Mais bon. Là, j'avoue que. Fine. Les amoureux. Le but du jeu, c'est de prendre des photographies. Donc, faut prendre en photo un événement particulier et prendre des photos de trucs divers intéressants afin de cumuler un certain nombre de points. Et voilà. Donc là, on a 1020 points, c'est clairement pas suffisant. Et de toute façon, on a raté le truc. Bon. Eh bien, attendez. En attendant, je vais vite mettre le petit gif. Si très je... important. Si je le trouve. Alors, attendez. Où est-ce qu'il met ses gifs? C'est ça le problème. Ah mais oui, comment faire sans Mortis Ghost? Mais oui. On est perdu. Attendez. On va trouver. Tac. Tac. Voilà. Voilà, alors bon. Qu'est-ce qu'on met? Ah, moi j'adore les modifications de Disney. Ah, elles sont très bien. On va en peut-être en mettre une alors. Victor Sjöström. Oui, on l'avait déjà mis, je crois. On va se mettre un petit Ariel. Ouais, approved. Ça c'est bon, tac. Ah, très beau. Voilà. Et bien, j'espère que vous l'appréciez autant que nous. Alors bon. Alors est-ce que Saturnum chante aussi si on est trop... Alors normalement oui, malheureusement il est malade. Je peux faire un effort. Ah. Je peux chanter faux, tout gâché, ça serait... Il peut faire un effort et ça c'est rien que pour vous. Ah. Alors, est-ce Saturnum, es-tu un lapin? Attends, tu es un lapin canard, Saturnum. À cause des oreilles, c'est pour ça que tu dis ça. C'est quand même intéressant comme théorie, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Peut-être. C'est fou de se connaître aussi. C'est quand même fou. Megaboy,
Ah, est-ce qu'on vient nous aider? Est-ce qu'on vient vous aider? Bah oui, peut-être, oui, je pense. Il a déjà été mis sous GIF? Non. Ah, l'invité mystère. Salut. Bonjour, invité mystère. Coucou. Ça va? Oui, ça va. Il a déjà été mis sous GIF? Non. Je crois qu'il y en avait un autre qu'on avait mis, mais je pense pas que ce soit celui-là. Allez, bon, je le réessaye. Je le retente, après je te passe ouais. La main. Ok, c'est bon. Si je rate un nouveau, même si j'y arrive d'ailleurs. En tout cas, c'est notre boss sans doute. Il a l'air d'être assez peu commun. Bon, alors attends, là je vais essayer d'être un peu plus alerte. Ouais, tu sais un peu à peu près qu'est-ce qui se passe à présent, comme ce disons. Type. Ah non, non. Un peu, attends. Là. Ouais, là c'est bon. Là, il va faire une pause. Grimpe. Attends, ouais, cette pause là c'est bon. Parfait, le type qui grimpe. Mais le type qui grimpe, tu es là, il me dit pas que je peux. Faut que j'attende un peu. Mais vas-y, pourquoi tu peux pas? Non, le type il est là, pas là. Non, ça tu perds des points quand tu te prends photo toi-même. Ah mince, moi ouais, ouais, 200 points. Oh là. Non. Pas simplement. On va manger un petit peu juste avant. Ah, je me prends tout. Oh, Superman. Je l'ai eu. Bravo. Ah. Ah, une potion magique. Cool. Ah, attention, on va tomber. Hop. Ouais. Pas mal. Là, ça, c'est le scoop, ça. Ouais, alors, attention. Ouais, là. Je l'ai eu. Et voilà. Il était là. Putain, il faut le voir, hein, quand même. C'est, ah bah, pas, ouais. C'est pas easy. Faut avoir l'œil. Non. J'ai pas réussi à l'avoir, zut. Je sais pas ce que... Il y a des bonus qui me donnent des trucs, mais dur de savoir ce que c'est, hein. En effet, Le pauvre homme. Il faut sauter aussi, en fait. J'avais oublié. Il y a donc un clochard en avant du cinéma, mais le prendre en photo donne aucun point. Parce que c'est un clochard, peut-être c'est pas... Ben oui, mais on fait pas de photographie, de photojournalisme social. Bah non. Ah, pas mal. Ah non. Non, il a fallu prendre la tasse de café, je crois. Ah, oh là là. C'est vachement... Attention au volcan. Le volcan. Ah, je peux déjà le prendre ici. Ouais, tu prends en photo les boules. Ils disparaissent, c'est bon. Ah, ok. Là, ça donne plein de films. Ah, ça c'est pas mal, voilà. Ça. Le barbu, toujours intéressant. Une bonne photo de barbu pour la première du journal. Mais le selfie fait perdre des points, c'est bien la preuve que déjà à l'époque c'était mal considéré quand même. Des voitures, ouais. Ça, je peux prendre en photo le truc qui rebondit, tu crois? Oui, il disparaît. L'avion pour un looping, c'est bon. En fait, faut essayer de mitrailler quoi, finalement. Ouais, mais t'as un certain nombre de films. Oui, donc, c'est vrai, faut c'est exagérer. Vrai. Faut pas déconner. Comme ici, j'attendrais que ça descende. Là. Ouais, 1000 points. Ah, pas mal. Ah, c'est assez cool, hein, franchement. Et le graphisme est quand même assez. Ouais, j'aime beaucoup l'esthétique. C'est vraiment assez cool, quoi. Oh mon dieu. Ouais. Ah, ok, bon, donc il va disparaître des éléments. Un petit cœur, un petit cœur d'appel. Ah, zut. Ah non, c'est juste. C'est bon. Et là, on a gagné, là. Je crois. Voyons voir. Ah, alors du premier lab. Bon, écoute, on va changer de gif alors, Cameline, parce que ça serait quand même dommage de réutiliser deux fois le même gif. Je crois qu'on n'a pas fait le flying gif au préalable. Non, malheureusement pas, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Alors, je te passe la manette. Donc, ouais. Je crois que c'est. Donc, c'est de ces deux boutons là, il y a zoom et prendre en photo. Ouais. Je crois qu'il y a sauter un petit peu là. Okay. Après, tu bouges avec le. Alors, j'appuie sur tous les boutons et puis je garde. Pas le stick, ouais. Hein, c'est le D-pad. Alors attends, je vais juste mettre un autre gif du coup. Ouais. Parce que bon, Cameline, c'est un peu la spécialiste. Ah, je crois qu'on a perdu. Non. Ouais, on a pas eu assez de points. Attends, on va voir. Quel gif on met? Des gifs, je sais même pas ce que c'est. Celui-ci, c'est quoi? Parfait. Très bien. Il est très bien. Voilà. Ah oui, on l'a. On l'a. Parfait. Bon, bah voilà. Oui, on a 4 fois plus de points que c'est ça. C'est... Les barbus, c'est très intéressant. Eh oui. On a les mêmes goûts. Avec nos meilleures photos hein, mises en bas, c'est les 3 photos sont toujours les meilleures. Alors, le jeu, c'est Gekibo 2. Voilà, un jeu sorti uniquement au Japon. C'est quoi 2 en japonais? Ichi, ni, je crois que c'est ni. Je crois que c'est ni, ouais. Gekibo ni!
Gekiboni! Kawaii desu! Donc, voilà notre photo. Alors, quelle va être la deuxième mission? J'ai aucune idée, qu'est-ce que c'est ça? Voulez-vous quitter le jeu et recommencer le Ah, pourquoi pas? Ah, deuxième niveau. Ah, j'ai lu aussi qu'il y a certaines photographies qui permettent d'accéder à des niveaux secrets. Ah! Mais faut les, j'imagine que c'est des photos un peu. Ouais, un des peu photos spéciales. Un peu difficiles, ouais. Ah, ouais, ouais. Très bien, très bien. Mais comme il tape son ordi avec les deux doigts. Pas mal. Non, mais pas mal d'avoir un laptop. Hein. On était en 2001 à la sortie du jeu. Ah, 2001? Ah, ouais. Ouais. Il okay. est fin aussi. Alors, tu sais ce qu'il faut prendre là ou pas? Non. Bon, bah, voir. J'ai pas pris la peine de regarder. Tant pis, on va prendre en photo tout ce qui est intéressant. Ah, voilà. Bien joué. Ah, une sous ouais. Ah! Ah! C'était au moment où elle se pose des questions, c'est pas là qu'il fallait. Ouais. Putain, cette tête! Sérieux, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on dirait pas comme ça, mais en fait, l'appareil photo il a des mouvements assez longs, donc c'est assez. Ouais. Faut quand même être. Ah! Ouais, c'est un jeu, c'est un son du RTP ça! Mais oui, ça ressemble vraiment au son de RTP d'Arthur Maker. Ah, pas mal. Ah, on peut faire exploser le ballon. Un bout de. Oh là là! Bien joué, bien joué. Mais cool! Non, on a un certain nombre. On a un nombre de films en fait. Que tu peux voir en haut à gauche de l'écran. Donc faut pas trop faire le fou quoi non plus. C'est sûr que tu peux en récupérer. Parfois on prend des photos. Voilà là par exemple. Ouais. Super. Et nous on mangera du coup pendant la pause sans doute. Je pense de vers 22h. Après si t'as fait manger on fait une pause. Hein. Alors attends. Hey, salut STC, ça va? STC sur le stream RPZ. Bonjour STC. Vous avez bien changé le titre du stream? C'est toujours de l'Illumine, Olimar va pas trouver. Ah non, mais le titre du stream, on a mis jeux spéciaux. C'est ça en fait. Parce que tu peux seulement chercher avec. Soit ça affiche toujours Please Evil Within. Non, ça c'est parce que t'as pas rechangé la page quand j'ai changé. Ah ok, ok. Mais tout c'est jeux spéciaux. Il faut taper. Attends, j'ai pas pris des photos qui rapportent des points en ce moment. Mais le titre c'est Hardcore Spécial, ouais voilà. Oh les feux d'artifice. Oh pas mal. Bon, je crois que c'était pas top. J'allais regarder c'est quoi le. Ouais, mais à mon avis, il y a peut-être moyen que t'aies assez de points non quand même. Ouais, mais de toute façon si on a pas le. Ah ouais. On n'a pas la photo principale, ça ah, marche pas. T'as réussi Captain Olimar quand même? Si tu as réussi, eh bien bravo. Alors, avons-nous réussi? On avait presque le score, on l'aurait à coup sûr eu avec la photo principale. Mais donc la photo principale, il s'agit de prendre en photo le train noir au moment où il décolle vers l'espace parce que c'est quelqu'un qui est en train de voler le train. Ah. Et voilà. Bien, deuxième tentative du coup. Ouais, mais je crois que j'essaie de prendre en photo en plus. Il fait comme une traînée de feu derrière lui. Ah oui. Bon. Bizarre. Bon, on a déjà passé le start. Parfait. Non mais le sourire du personnage quand même, il est vraiment... dur à choper hein, c'est ah, je prenais le stick plutôt que le... Ah oui, non. Mauvaise idée. Ah, bien joué. Donc ici, la petite secoupe, il va se poser une question.
Mais ça vaut le coup de prendre chaque fois qu'il y a des petites flèches ou pas? Des petites flèches? Ouais, tu vois, des fois il y a des petites flèches là, tu vois, autour. Ah! Ouais, c'est comme. C'est peut-être un événement qui est sur. Comme. Tu vois, en fait. Bien joué, bien. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est un élément intéressant, mais c'est peut-être pas le meilleur moment non plus pour prendre la photo. Ok, ok. Oh, je viens de perdre. Tout ça, en gros, si tu prends l'événement principal, t'es quasi sûr d'y arriver, quoi. Ouais. Mais c'est surtout parce qu'on est en easy, je crois. Oui, oui, oui. Non, mais j'ai mis en easy parce que déjà qu'on comprend ouais, pas le jeu. On comprend à peine. Ah, stylé, c'est le vol de voiture. Hein. Mais le vol de voiture au sens propre du fait de voler, quoi. Les types de vol de voiture favoris. Oh. Bang! Hop, ça c'est bon ça. Ah, il a fait clochette, il a fait clochette, t'as vu? Ben oui, comme ça. Mais vraiment, sans les droits. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on s'en fout, mais la fée clochette. C'est... Oh là là. Des trucs très mystérieux. Alors là, il va falloir pas le rater. Ouais. Du coup, il repasse derrière à la lune. Ah, c'est là. C'est là qu'il décolle. Ouais. Ça. J'essaie de prendre la locomotive. Ah voilà, ouais, ça y est, je l'ai. Et ça c'est bon. Donc là on est quasiment sûr d'y arriver cette fois. Ouais, c'est sûr. Bah en fait il faut 14 000 points, donc c'est pas encore gagné. 14 000 hein. Ouais. Ah c'est ça, c'est ça. Ouh là ah, là. C'est là, déjà là. Fini. Ouais. Enfin on va voir, je suis pas sûr. Suspense, oh là là, j'ai peur. Japonais. Oh là là. Oh non. C'était à 15 000. Déchanté, oh là là. Oh les salauds. Allez, reste une dernière fois. Ouais. Ça me semble être... On est si proche du but, ça serait quand même dommage, quoi. Ouais. C'est possible, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le chat? Ah non, mais il y a des gens qui font des petites battles de setup là, genre. Camille dit que son setup normal, au moins il n'y a pas de problème. Mais attends, réfléchis quand même, Captain Olimar il est sur un sacré projo. Hein, on avait vu ça sur le selfie de la semaine passée. Et franchement, c'est stylé, moi je trouve quand même. Ouais, non, mais dommage, c'est pas si facile et pourtant on l'a mis en facile là. Ouais, effectivement. Donc c'était mais pas une mauvaise chose. Pour le nez, là, il y a un truc, ouais. Ah, t'as juste l'occasion de prendre en photo un truc. Ah, non. Bien joué. Cool. Ah, bon, le singe était cool. Le singe était cool. Stylé. Ici, ça va exploser. Fine! Ah, le métier de journaliste, c'est quand même pas mal. Ah, c'est toujours comme ça tous les jours, évidemment. Aïe, 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 c'est bon, tu l'as vu, c'est bon. Les oiseaux. Aïe, aïe, la carte. C'est bon, bien joué. Il va lever ses moustaches. Il va lever sa moustache. Là on est déjà à 9000, donc à mon avis, si on fait pas de bêtises... Ouais, c'est bon. C'est curieux, la cigogne donne aucun point. Ah ouais, bizarre. Peut-être que dans cet univers alternatif, les cigognes ouais, sont vraiment hyper banales, quoi. Bah ouais, c'est tous les jours. Toujours bien avoir la photo de la vie. Cool. Ce mec-là était cool, par contre. Ouais, et les gens ont des belles, des beaux visages. Là, il va falloir être précis. Ouais, attention. Ça y est. Et là, c'est bon, 16 000 points. Ouais, c'est dans la poche.
Alors, les feux d'artifice. Fine. Mais oui, la manière dont il marche, c'est vraiment surtout très drôle parce que quand tu reviens en arrière, il marche à l'envers. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment. Il a l'air si mesquin. Bon, bah, c'est réussi. Ah. Le boss va être content. Oui, on voit son sourire. On voit déjà qu'il est réjoui. Écoute. Là, c'est marqué le nom du jeu sur son ordinateur. Faut pas se tromper. Et là. Ouais. 19. 21 000. Facile. Alors là, mais 22 000 points. Alors là, easy game. Sachant qu'une des meilleures photos, c'était le singe. Eh ben. Le singe, quoi. Qui tient un tambourin, je pense. Non, qui tient. Ouais, ou un riz. Tient. Un riz géant. Je sais pas du tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut prendre dans le prochain niveau? Je te laisse la manette, je ouais. Regarde. Ah, regarde, ta photo est dans le journal. Donc tu vois, c'est quand même un journaliste. Mais oui, c'est le bonheur d'être. Kyo no gyoton yosu, shin pinokone, nippon. C'est comme un journal en romanji, c'est curieux. Ouais, c'est très étrange. Alors, prochain niveau. Est-ce que c'est un cimetière? Ça semble être ça, hein? Ouais. Ouais, parce que là j'ai deux. En fait, on a raté deux niveaux cachés. On pouvait rentrer dans le cirque et. Oh là là. Ouais, mais bon. Cimetière, alors. Ouais, cimetière. Donc, ça dit. Take a picture of a ghostly face made out of spare parts when it smiles. It appears just after the jumping scarecrows. Bon. Donc on a des corbeaux qui sautent, après on a un visage de fantôme qui sourit, fait de partie. Enfin, on verra dans le jeu. On va le rater, on va le refaire. Mais c'est. Je crois que le jeu se joue entièrement comme ça. Mais je crois, hein. Mais assez cool en fait, je trouve, finalement. Ouais, ben j'aime beaucoup l'esthétique, l'espèce d'idée. Hein. C'est comme un espèce de shooter en fait. Mais oui, c'est ça, oui. Bah, c'est un shooter, on shoot the pictures. Ah, et ça c'est pas mal. Là, ça c'est pas mal. Oh là là. Il se passe déjà des choses. Oh mon dieu. C'est mon dieu. Oui, c'est okay, ça. Attention. Ah non, pas le selfie. Oh là là, je suis fou. On rigole plus. Mais là, c'est dark. Cool. Oh non, je vais quand même. Aïe aïe aïe. On a raté le feu. Waouh, la tête de Steve. Oh non, je suis mauvais. J'ai tout perdu. Oh là là. Le chat effrayé. T'as les. Corbillard. Hop, on a des corbeaux, attention. Non! Sauf, c'est bon. La main! Non. Non, pas moi, non, oh là là. La main. Oh là là, l'angoisse, c'est l'angoisse. Il y a toujours la même fille là, t'as vu? Ouais. Qui revient, qui revient dans d'autres. Attention, le scarecrow. Il est là. Ah. Ça va être maintenant. Ouais. Aïe aïe aïe. Ah, c'est ça, c'est le visage en haut. Ah, je l'ai repris là. Ouais. Voilà. Excellent. Heureusement qu'il sourit deux fois parce que sinon. Ouais. Oh non! Et là, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Prendre une photo du pied? Ou peut-être le flash. On s'est jamais servi du flash. C'est comment le flash? C'est un autre des boutons. C'est un bouton similaire à la prise de photo. Peut-être à gauche. Ah, c'est ça! Ok. Ok. Tout ça m'est frais, franchement, tout ça est... Oh, ce bébé là! Le bébé rapporte plus de points que le fantôme. Ah ouais. Oh non, mais. Oh, mais c'est dur! Ah non! Oh! Oh non! Ah, ça m'a fait éviter le. C'est quoi Léonard Nimoy? Qu'est-ce qui est passé? Je sais pas. Charrette. Est-ce que c'est la charrette fantôme de.
Ah oui, des Victor Sestrin. Et des mecs normaux aussi. C'est ça qui est bien. C'est qu'il y a plein d'esprits partout, mais aussi des gens normaux qui se baladent. Bah oui, quelqu'un, tu peux aller dans cette cimetière parfois pour. Ah là, il va se passer un truc. Ouais, des portes qui bougent. Ah non. J'ai même pas vraiment photo, j'attendais à ce qu'il se passe un truc. Et... Alors là, est-ce qu'on l'aura ou pas? Dur à dire. Je pense qu'on a pris beaucoup trop de selfies. Ouais, peut-être, ouais. T'as une crème spéculoos. Ah oui, la fameuse crème spéculoos de Captain Animar. Vous aussi, vous avez vu Shenron passer. Mais oui. Bon, alors attention. Ce serait pas mal d'y arriver du premier coup, mais... Ah, oh, oui, ben oui, ben voilà. C'est ça qu'on veut. Et là, direct... Mais expert en photo. On est parti pour finir le jeu, ou quoi? Eh ben oui, je vois qu'il y a combien de niveaux. Donc là, ça, c'est le troisième. Ouais. Ok. Ah, regarde. Obake wo kawaii? On ne sait pas. Il y a 7 niveaux sans les niveaux cachés. Ah, bah tiens, je te redonne la manette. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans le suivant? Alors, je vais poser une question un peu méchante. Est-ce que Mortis Ghost Chiral, est-ce que ça vous manque? Parce que c'est vrai que là, on est plutôt... On est plutôt positif, je dirais. Ouais. Mortis Ghost, ça a l'habitude de râler sur les jeux. Moi, j'adore les jeux un peu étranges, les jeux un peu bizarres, donc... même si le gameplay est pas parfait... Je peux faire un effort pour râler, quand même. Ah peu, pour pas que ce soit trop différent. Ouais. Bon, alors, prochain niveau, on ne sait pas. C'est le Festival de la Nuit. Et... On a... Je comprends pas la description, c'est juste on a trois objets qui s'envolent dans le ciel à la fin du niveau. Prenez une photo de ces objets. Trois objets, montrez-moi. J'aime bien le... J'imagine que c'est exactement ce que dit le patron du journal. Ouais, donc on a entendu dire qu'il y avait des objets qui vont voler dans le ciel. Alors prépare-toi, parce qu'il paraît que des objets vont voler dans le ciel à la fin de... ouais, du niveau. Du niveau. À la fin du niveau. Et t'es mieux d'avoir plus de 20 000 points. Ah, oui, c'est ça, parce que bien sûr... 30 000. C'est tout ce que je sais, c'est 30 000. Blablabla. Son mortis, c'est un peu des vacances. Ça, on ne le dira jamais assez. Ah, c'est là. Bien joué. 600, putain, 800 points déjà. Vidé mon appareil sur ce mec. Aucun point. Souris en train d'exploser. Et du coup maintenant je vois bien les objets qui clignotent, tu dois les prendre en photo parce que ça peut te toucher, enfin ça me semble plus logique maintenant. Oh mignon ce petit raton. Mais... Okay. Bien joué, bien joué. Dommage qu'il soit pas sorti ailleurs que le Japon, hein, mine de rien, je veux dire. Il avait du potentiel, je pense. Ouais, quand même très centrique, comment dire, nippon-centrique. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de références à des fêtes traditionnelles. Ouais. Ouais. Fine! Ah, ouais. Oh, bien joué, bien joué, ouais. Vous méritez pas Mortis, mais non, mais Mortis, tout le monde l'aime, Mortis, mais voilà. Enfin voilà, profitons de la présence de Saturne. Ah, tu t'en vas, Megaboy, mais enfin bon. À la prochaine, alors je pense que t'es déjà parti, mais bon, tant pis. Tiens, Megaboy, quand même. Oh, qu'est-ce que... Il lance des tables, mon dieu. Il a balancé la table, mec.
Attention, je pense que ça va être les objets qui s'envolent. Ouais. Ça, je vais sans arriver, je sais pas pourquoi. On met l'ambiance. Ambiance nocturne. Genre lui là qui tape sur ce truc. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, quelqu'un t'a lancé un truc dessus. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais, voilà. Bah, c'est trois sorcières, quoi. Trois. Ouais, mais dur à dire, on dirait des. Je sens que j'ai que des hélices. Ah, t'as vu, t'as des. Ah, oui, t'as un compteur de flash là. Ouais. Pour le coup. Et à quoi sert le flash du coup? On sait pas trop. Ah, non. Comme ça. Ah, bah, ça fait apparaître les amoureux dans le fond. Ah. Donc ça. Bon, j'espère que vous avez kiffé le festival de la BD. Ah bah franchement, le festival lui-même est toujours assez ouais, cool, c'est ça, c'est qu'on n'est pas mêlé à l'organisation, remise de prix et tout le truc quand on est sur le lieu direct. Mmh. Oui, parce que je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais c'était quand même assez épicé, on va dire. Ouais. Aïe aïe aïe, est-ce qu'on va la voir? Oh, on l'a pas, là. Bah tu pourras le relancer du coup. Ouais. On le réessaye. Bah oui. Donc oui, le festival. Mais le festival est assez cool, mais après ce qui est cool c'est surtout de revoir les amis. Voilà, être un peu. Faire la fête. On a vendu pas mal de trucs de Mechaniki qui étaient sur le stand. Voilà, c'était cool. Quelques bonnes expos, même si c'était peut-être un peu moins bien que l'année passée, mais ça va, c'était chouette. C'était chouette aussi. Il y a des gens qui étaient du coup, Nipalito, t'étais toi ou pas? Putain, cette chauve-souris là, moi. Ah, t'as pas pu venir, ok. Ouais, bah. C'est. Ah mais là, flash, si tu mets le flash par exemple, ça peut pas apparaître. Ah mais... oui, c'est bon, c'est bien. Ah, ça fonctionne le flash. C'est comme ça que tu l'as fait là. Ah, mais bon, ça peut marcher, c'est peut-être trop tard. Ouais, je sais pas. Ok. Ah oui, est-ce qu'il m'empêche? Oui, je vois. Il a gagné, ouais, on était à la soirée, d'ailleurs, la soirée qui s'est passée à un autre endroit que d'habitude, mais... Hyper dans un trou perdu derrière un stationnement dans le noir total. C'était hyper bizarre et vraiment un peu glauque, un peu. Ouais, un peu, tout à fait. En plus, la pièce était un peu trop grande et du coup, il y avait beaucoup de vide. Bon, il n'y avait pas assez de gens pour la remplir, du coup, ça faisait. Ah, c'était très bizarre quoi, mais bon. Hey, Esquimopêche, salut! Esquimopêche qui débarque sur le stream. Hello! Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir ici. Je t'ai entrevu à la soirée du coup Revelation Line. Mais bon, voilà quoi. On n'a pas causé du coup. Mais on était là avec Saturnome. Ah, une gastro, ah bah chacun sa maladie, hein. Saturnome il est à l'angine, bon voilà, c'est peut-être un peu plus soft que la gastro quand même. Ah ouais. C'est un autre style on va dire. Ouais, mais j'ai pris une bonne angine de qualité. Ah, bonne angine, ouais. Une bonne angine. Ouais. Ça c'est bon ça. Eh oui, tu ne connais pas Loutez. Tu l'as eu? Ouais, j'ai eu. Et j'ai aussi débloqué un niveau secret. Ah, bah hyper bien. Ouais. Je crois que c'est bon. C'est 30 000, hein? Ouais. On va peut-être avoir avec les bonus. Ouais, il y a moyen. Je pense que c'est moyen. Oui, la maladie du moment, c'est à la mode.
plein de gens à Angoulême qui l'ont eu. Ah, mais Nipalito, tu dessines aussi. Ah bah cool, ça je savais pas. Et oui, alors Ima avait un déguisement Rorschach vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ouais. Très efficace. Non ! Oh, c'est pas vrai ! Mais qu'est-ce qu'on rate ? Mais c'est pas vrai, oh là 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 là. Mais est-ce qu'on a quand même du coup le niveau ouais, ou pas ? Ouais, je me demande. Peut-être tu vas voir. Oui, ah, on l'a quand même. On essaie le nouveau niveau ou on... Ah, on peut peut-être tester le nouveau niveau et au pire on revient okay. sur celui d'après. Alors, faut qu'est-ce qu'on fait dessus ? Je te laisse puis je regarde. Ah ouais, très bien, vas-y. Ouais, c'est vrai que l'angine, c'est assez la maladie du moment. Mais Bon, j'arrive pas à savoir c'est quoi le niveau qu'on vient de débloquer. On va voir qu'est-ce que c'est, parce que j'ai seulement des descriptions de... Est-ce que... Ouais, on est à la plage, je pense. On a l'air d'être en maillot de bain. Quoi ? Ou à la piscine, peut-être ? Je vais regarder qu'est-ce qu'on a. Sport gym. Ah, c'est ça. Il va le faire tomber, il va le faire tomber, j'en suis sûr. C'est maintenant. Et voilà, et voilà, on l'a eu. On l'a eu, le petit zbouminet, le petit zgeg. C'était ça qu'il fallait. Oh non, le savon, le savon là, le classique, le savon. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Très bizarre, hein, très bizarre. Oh, les petites fesses là. Bah oui, allez, première page. C'est ça, c'est en première page du journal. N'empêche, je sais pas pour quel journal il travaille le mec, mais c'est quand même assez malsain quoi. Vraiment. Ou c'est peut-être juste le mec, il prend peut-être des photos personnelles pour lui aussi. Hein. Ça on sait pas. Oh là là, le petit cul de chaque personnage, hein, il n'en a rien à foutre. Ok, donc à un moment on a bucket, il y a trois... Un saut. Ouais, c'est ça, une rangée de trois sauts. Et t'es capable de sauter sur ces trois sauts. Et à ce moment-là, t'es capable de voir de l'autre côté du mur. Ah. Les photos de l'autre côté du mur. D'accord, d'accord. Est-ce que ça sera la partie des filles? Et j'en ai bien l'impression. Aïe, c'est aïe, un aïe, jeu aïe. Japonais. C'est un jeu japonais. On ne se réinvente pas, hein, bien sûr. Ah là là là. Il fallait forcément qu'il y ait un niveau bonus comme ça. Il y a un caca dans l'eau. Je sais pas si vous avez vu. Petit détail amusant. Hein. Scoop. Oh là là. Il y a une affiche qui bouge. Moi, je vérifierai la montagne. Ça me semble très... Oh non! Ah, t'as utilisé trop de photos. Et du coup, on l'a perdu. C'était la première fois que ça nous arrive. Ah, et bien Ima, bon appétit. Bon appétit, Ima. Bon, miam, miam. Je vais essayer de le refaire quand même. Et après, on retente le vrai ouais, niveau. L'autre. Mais est-ce que gagner le niveau bonus, ça sert à quelque chose ou... J'en ai aucune idée. Et voilà. Ah, Mehdi a aussi une angine apparemment, bon, mais voilà. Yes, on est deux. Courage. Eh oui, mission failed, eh oui. Ah, unproductive cosplay, hello. Hello, hello. Special, Special streaming. Yeah, with the... Saturdome. In the house. In the house. because, Morty's ghost is not here tonight. So we have a special guest. He may come later. Yep, maybe. Mais en fait, ce jeu est vraiment bien, je trouve. Ouais. Vraiment assez, assez drôle. Oh là là, il a craché du sang du nez. Donc en fait, là, il faut que je fasse un peu attention. Ouais. Ouais, abuse pas trop. Ouais, ouais. Là, il y a le. C'est prendre des bonnes photos. Le petit. Ah, oh, on l'a pas eu, on l'a pas eu. Attention, la porte va s'ouvrir. Ouais. Et il te reste que 3 photos, hein. Est-ce qu'on peut. Ne... Est-ce 2 photos de sniff... Non, c'est des films entiers parce que là, c'est 30 heures. Ah, ok, bon, on va. Oh là. Est-ce que. Parce que peut-être que dans ces niveaux-là, c'est genre justement, il y a très peu de films, du coup. Ouais. Il y a un pingouin, c'était ça qu'il fallait prendre, je pense. La girafe Oh là là, c'est l'arbre qu'on peut sauter. Non. Oh non, qu'est-ce que je fais? Ouais, saute, hop. C'était ça. Et voilà, non, mais voilà, on en est là. Des films, il y en a quand même. Oh.
Oh non, la savonnette. Et voilà, la savonnette. Le caca. Le vieux ouais. Café caca, hein, bien évidemment. Des films. Ouais, bon, attention, la voiture de nuit. Je suis fou, là j'étais un peu fou là. J'ai un peu fait un dessin. Au moins voir ce niveau en entier. Je sais pas ce qui se passe dans cet endroit, mais il a caché la. Oh là là. Ce niveau est assez terrible hein, quand même. Il est vraiment. Ouais. Je sais pas ce qu'il aura pris, mais. Je sais pas quoi ça me prend ce mec. Peut-être un flash. Un flash aurait fait quelque chose. Ah peut-être. Ils auraient flashé qu'ils sont en amour. Donc qu'est-ce qu'il va me dire? Il y a quand même moyen de le réussir, mais bon. De quoi ça sert, on ne sait pas. Voilà. Bah non, là c'est. J'ai pas eu le. Je pense que j'ai pas eu le vrai. Ouais, non, tu l'as pas eu. This game is really strange actually, but this level was one of the. Strangest, I think. Voilà. Bah, du coup. Ah, ouais, c'est bon, t'as refait celui-là. Parfait. Bon, alors dans celui-ci, il fallait prendre les trois trucs à la fin. Ouais, ça c'est pas un problème. On va le tenter. Bien joué. Ouais. Ouais, la chauve-souris elle est vraiment. Ouais. Ah le flash. Ah le... ouais non ça change rien. Ah voilà. Voilà. C'était ça. Faut zoomer aussi. Ouais, en fait, je tenais le bouton du flash. Ouais. Ça fait zoomer ensuite. Ah. Un chat qui court après une petite pieuvre. Ouais. Ouais. J'ai abusé un peu dans les photos initiales. Ouais, ça va. T'as encore pas mal de. Voilà, t'as quand même pas mal de pellicules, donc c'est pas trop grave. Ouais, bien joué. Alors une fois j'ai dessiné Ronnie en Totoro et ça a été la fin de ma carrière de dessinatrice. Oh bah ça a l'air d'être génial pourtant. On dessine uniquement chacun à notre tour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous faites un blog ensemble mais vous avez du coup vous dessinez les deux dessus quoi. Est-ce que c'est ça? Ça à combien qu'il faut arriver à 30 000? Ouais. Mais ça va, t'en es pas encore. Ouais. Désolé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un de super-héros là derrière. C'était Ultraman. Oh, non, je crois que tu l'as eu quand même. Ah, c'est bon. Je crois que t'as eu Ultraman. Ah, voilà. Et là, c'est bon. 22 000. Ah, 22 000, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Ouais. Ah, tu avais l'air de bien l'avoir eu là, c'était bizarre. Ah, c'est une référence à Frog with Guts, ce truc-là. Ah ouais? C'était une souris. C'était un animé japonais des années 70. Oh, ouais. Voilà. D'accord. Saturnome. Mesdames et messieurs, Saturnome.
24 000. T'avais combien la dernière fois? Je sais plus, mais je crois que ça sera pas suffisant. Aïe 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 aïe. Il a l'air difficile ce numéro quand même. Ouais. Aïe aïe aïe. Veux-tu l'essayer une fois? Allez, je l'essaie une fois et puis sinon on peut passer à peut-être un autre jeu. Ouais, 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 ouais. Parce que nous avons prévu plusieurs jeux. Plusieurs. Et du coup, Nipalito, t'avais aussi participé au concours de la Revelation Line. Oh là là là, oh là là, ma zette. Lui, il va. Yeah. Ouais, c'est pas ce moment-là, c'est peut-être pas ce moment-là. Ouais, là. Voilà, 500, c'est bon. Big boy, c'est intéressant. La souris. Ouais. Attention, on va prendre une gorgée. Ah ouais. Oh, zut, ouais. Tiens, pour vous souris, là, ça. C'est vraiment une question de connaître le jeu, par contre. Mais ouais, c'est vraiment ça, en fait. Faut vraiment beaucoup. Ouais. Faut faire beaucoup de attention, le flash. Ouais, c'est bon. Cool. Oh, là, je me suis pris tout direct. Qu'est-ce qu'elle a cette porte? Oh. Ouais, mais j'arrive vraiment à concentrer ce type qui tombe dans le trou. Attention. Eux, c'est la bulle. Il y a une bulle qui va apparaître au-dessus d'eux, c'est ça qu'ils font. Ça. Oh, j'ai raté? Ouais. Oh là là. Attention, t'es proche de ses filles. Ouais, je sais, mais. Des fois, il. Oh bah mince, je suis fou, je suis fou. Oh, mais il y en a direct après. Oh là là. Attends, sur la table. Ouais. Le qui se gratte la tête, 500 rack. Très important, un type qui se gratte la tête. Ah, bah toujours. Hein. Moi, c'est pour ça que je regarde les journaux, hein. Faut pas l'oublier. Ah, oui. Oh, le chien entre. Hein, mais oui. Oh, c'était là, c'était là. Ouais. Ok. Ah, elle est très mal. Oh, ah, elle me prend en photo. Ah, mais c'est ça la même fille qu'on voit dans l'autre oui. Niveau. Ouais, ouais, oh, c'est là, ça. Oh là là là, on a des compétitions. On est en compétition, je pense. Là je l'ai eu. Ouais. Oh non. Hein. Ouais, faut que tu prennes ton petit shoot parce que c'est, ah. Ouais, c'est ça. Ah, là, j'ai raté. Ah mais j'ai raté les. Ah non. Si, ouais, je les ai ratés. Ah mais je suis fou moi, mais qu'est-ce qu'ils m'ont pris. Ouais, on les a ratés. J'ai totalement oublié. J'ai totalement oublié. Et voilà. Ouais, moi aussi. Là c'est raté, là c'est raté. L'intensité du moment. Ah ouais non mais est-ce qu'ils m'empêchent Comme je disais, en fait, j'avais expliqué à Nipalito le concept du concours et franchement, enfin, son refait avec une faute frappe chelou. Mais t'imagines pas, mais de toute façon, mais ce concours pour moi, il est, enfin, sans vouloir critiquer ou quoi, mais je trouve que vraiment, il devient de pire en pire, quoi. Là, c'est vraiment dommage, mais je trouve que même déjà rien que le concept du concours, il m'avait déçu et franchement, t'as le droit sur une affiche et de payer 200 euros, c'est quand même waouh le prix, quoi. Ouais. Mais non, c'est vraiment pas, c'est vraiment dommage, je trouve. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? On continue, on réessaye ou on passe à... Je crois que c'est foutu pour être capable de passer au travers de ce niveau-là. Ouais, ce niveau-là a l'air d'être difficile. Ouais, j'ai aucune idée quand on peut avoir les points qui nous manquent. Très bien, et bien voilà, nous avons découvert Gekibo 2. Et voilà, en vente dans tous les magasins usagés au Japon. mais oui, mais est-ce qu'il m'empêche? Ouais, c'est terrible, et en plus... Enfin, Vendry, c'est quelqu'un de vraiment assez détestable. Et il y a vraiment l'impression qu'il en a rien à foutre. Il fait ça juste pour son petit délire personnel. Ah, très beau Ronnie Totoro, Choupi. Bravo, il est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce style.
Tu aurais dû continuer. Et Vendry fait des photos floues. Et oui, c'est ça. Mais moi, j'aime beaucoup ce dessin, vraiment. Ouais. Bon, alors, on va passer au jeu suivant. Oui. Et quel est le jeu suivant? Ah, alors là... Ça, c'est la question. Avons-nous une réponse? Alors, le jeu suivant, c'est un jeu qui est cette fois-ci sorti en Europe et en Amérique. Oh! Et qui s'appelle Incredible Crisis. Alors, voilà, bon. Est-ce que tu peux en parler, cette surnom? Est-ce que tu as quelque chose pour le décrire? Est-ce que tu as un semblant de... J'allais chez moi. Ah! J'ai jamais réussi à aller plus loin que le quatrième niveau. Fin. Merci pour les précisions. Ton tour. Alors, moi, je l'ai connu, ce jeu, parce que j'avais une démo qui nous faisait beaucoup rire avec des amis. On la faisait beaucoup, on la faisait très tout. Souvent. Quoi? Le jeu apparaît pas dans le stream ou... Ah, le jeu apparaît pas, il faut que je fasse une capture, ouais. Attends, on va aller sur l'écran, parce que cette vidéo-là revient après, je crois. Ah, ok. Alors, tac. Ouais, en effet, le jeu n'apparaît pas. Attends. Non. Si. Ah, voilà. On va le mettre... Attends, tac. Ah oui, alors, ce n'est plus Gekiburo 2, c'est bel et bien... Incredible... Crisis. On l'a bossé, hein, ce petit jingle. Tac, est-ce que vous connaissez? Il y a un mini-jeu avec des courses à ranger dans un sac horrible. Ah ouais, crise incroyable! C'est même pas ça, des gens le connaissent un peu plus, mais forcément, hein, s'il est sorti en Europe. Voilà, le voici, ce fameux jeu terrifiant. Voilà. Alors, vous allez voir que l'histoire est aussi pas mal. Attendez, je vais essayer de l'agrandir un peu, voir ce que ça donne. Je sais pas si on peut. Ah oui, on peut. On a le bon format là, plus ou moins. C'est... Wow. Ah, mais on voit un peu moins le chat du coup. Il va falloir être un peu plus attentif. Dans sa gauche. Ah, mais je peux faire ça. Parfait. Et voilà. Alors. C'est parti. Excellent menu. Ah, là c'est notre haut. Ils sont déjà vachement... Ils se prennent au sérieux, ouais, attention. La crise est vraiment incroyable. Tokyo Ska Paradise Orchestra. Est-ce que c'est un vrai groupe ou est-ce que c'est... Oui, tout à fait. Et c'est bien? J'en ai aucune. Ah, mais Ryudogo, bien le bonsoir, ça va? J'espère que ça va, parce que nous, ça va pas mal. Et comme tu as pu peut-être le constater, Mortis Ghost n'est pas présent, mais nous avons un remplaçant de marque, puisqu'il s'agit de Saturnome, en direct du Québec. Enfin, il est venu du Québec pour cette émission. Ouais, j'ai créé une espèce de vortex spatio-temporel et tout. Je suis en fait dans ma chambre, chez moi. Ah, alors, Bob le Fondeur dit que c'est un très bon groupe. Tokyo Paradise Ska Orchestra. Parfait, alors. You all know it's my birthday today. Oh no! Bon. Ouais, c'est vrai, c'est juste. Je vais te faire ton repas favori. Ah, Itsuko, trop sympa. Not again. Tu le fais à chaque année. Évidemment. C'est ma raison de vivre. Joyeux anniversaire, grand-maman. Disons, j'aime assez bien le graphisme quand même. Waf, waf. Je veux que tout le monde rentre tout à la maison aujourd'hui. Mais que va-t-il se passer? Des choses folles, je crois. Ça va pas terrible, mais restons positifs. Ah, eh bien, j'espère que ce stream va pouvoir te remonter le moral. Et j'espère que tu passeras un bon moment. Ah... Je me rappelle très bien de ce moment-là. Donc le père de famille est au travail. Hein. C'est le moment de l'exercice. Comme dans tous les travaux, dans les métiers... Bien sûr. Mais... Tadeo, la fièvre de la danse. La fièvre de la danse. Alors,
Déjà, le premier mini-jeu, donc c'est une espèce de jeu avec que des mini-jeux en quelque sorte, qui consiste beaucoup en fait en simplement des quick time events, faut appuyer sur les bonnes touches au bon moment. Mais le premier est déjà assez difficile, mine de rien. Donc on va, je pense, utiliser pas mal de save state, voilà, pour passer les niveaux. Let's do some. Alors, faisons un peu l'exercice pour se soulager du stress de la journée. Voilà. Tout le monde qui écoute le stream, allez, debout. Allez, on danse. Allez, tout le monde danse. Allez, tout le monde le fait. Allez, tout le monde danse la même danse. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. On tape dans les mains. Hop. Le poil trop tôt. Ouais. Bon. Attends, je me suis trompé une fois. Bravo. Ouais, je me suis entraîné. Ouh là là. C'est pas du tout en rythme, hein. c'est ça qui est bon à noter. Non, c'est un peu mystérieux. Là c'est difficile, là c'est difficile. Ça va encore. Ça va encore. Non. Ouh là 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 là. Attention, ça fait start. Quoi. Ouais. Là, faut appuyer comme un dingue, faut appuyer comme un dingue. Et là, regardez-moi ça comme c'est beau. Waouh, ils sont fous, ils sont dans la folie de la danse. C'est dingue, c'est dingue. Et là, la PlayStation. Attention, attention, vas-y. Ah non. Oh. Non! Oh non, je suis nul! Regarde, il est essoufflé. C'est pas encore fini. Ouais, t'as encore une chance. Ouf! Oh là 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 là! Oh save, là là, j'ai eu la chance! Save! Save! Ah oui! Non, quick save. Ouais. Ouh! Oh mon dieu! Mais enfin, t'as Néo, qu'est-ce que tu fais? Cours enfin! A toi de jouer! Oh boy! Avec le. Ok, on est mort! Pas le stick! Ok, j'ai. Bowling Inferno! J'ai aucun sens de la précision, quoi que ce soit, on est mort, mais j'aurais joué. Oh mon dieu, mon dieu! Une mauvaise journée qui commence! Il fallait que j'appuie sur quelque chose. Je pense. En fait, t'as passé les explications, du coup, je ne saurais pas. Bah, j'ai pas vu d'explication apparaître. Retry. Alors voilà, attention. Ah, run with X. Ok. Et. Up and down. To avoid obstacles. Ok. Donc il faut appuyer constamment sur X. Bourrer X comme un petit goré. Comme un imbécile heureux. C'est horrible, hein, c'est horrible. C'est vraiment un jeu horrible. Tout vraiment. C'est juste courir tout le temps, appuyer sur X, appuyer sur X. Ah. Horrible, horrible. Okay, attends. Je pose la manette comme ça et on y va. Ah mais ça c'est le jeu japonais de David Cage, exactement. C'est exactement ça. Ah oh, c'est horrible. You win. On ne sait pas. Ah ben c'est parce que je perds les. Il y a comme des bouteilles en bois de Coca-Cola, je sais pas. De oui. Ouais. Vous croyez conserver les bouteilles? Mais comment on conserve les bouteilles? Ok, ben ça veut dire qu'il faut pas taper comme un bourrin, mais y aller un peu de manière. Ah, ah les bouteilles sont comme les carottes des panneaux dans Zelda. Ah oui, faut pas tout griller. Ok, ok. Ok. Okay. Ah oui, okay. Ça semble beaucoup plus simple tout à coup. Et donc attention pas pour toi parce qu'il va y avoir des obstacles hein, à bout du moment. Ok. Ah mais zut, j'ai tout épuisé. Faut avoir les yeux partout. En fait, faudrait être deux, toi tu t'occupes des obstacles, moi je m'occupe. Ah, mais oui, c'est pas bête, faisons ça. Teamwork. Alors, Aancre nous dit l'action de ce tournoi est comique. Oh 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 oh. Qu'as-tu à répondre à Aancre? Je pense que c'est quelqu'un que tu connais. Bah, c'est vrai, hein. J'ai un accent comique. Ok.
Pas mal, pas mal, bien joué. Sachant qu'on a zéro vie. Ok, bah. Ah merde, je suis fou. Mais désolé, je. Ok. Je sais pas ce qui m'a pris, je. Ah zut, on va relancer la sauvegarde. Parce que là, on est mort, je crois. Pour dire à quel point ce jeu est complexe. Mais là, à deux, c'est pas mal, je pense. Ouais, deux, je pense que c'est un bon coup. Ouais. On peut sauter ça ou... Ah, peut-être le start. Ouais. On peut. Ok, attention. Oh! C'est plus, c'est pas, c'est le truc des bouteilles finalement n'est pas si dur que ça. Alors là, il y avait deux en bas. Là on est bon. Ouais. Et là, parfait. On a réussi. C'était même pas si dur que ça au final. Hein. Petite sauvegarde. Elevator of Doom. Ah, Elevator of Doom, c'est parti. Est-ce qu'on le fait à deux? J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faut faire. On va voir. Alors, il poserait bien une question. Capitaine Nilmar poserait bien une question sérieuse à Saturno, mais j'ai peur de plomber l'ambiance. Non. Excellent. Aïe. Situation un peu périlleuse. Il faut bourrer comme au goré. Il faut de nouveau bourrer comme au goré. Alors. Break it with X button. Stop it before the counter hits zero. Ok, bah c'est un jeu de bourrer. Faut juste bourrer quoi. Ouais. Aïe. Use directional buttons to avoid falling object. Blue meter indicates breaking power. On verra. On va voir. Tiens, c'est parti. Ok. Attention, ouais. Ah, mais c'est horrible! Ah! Oh là là! Mais est-ce que j'ai réussi? Ouais, j'ai réussi. Facile! Ouais. C'était scripté, j'ai rien pu faire. Bon, on est mort. Mais non, ça va. Et d'ailleurs, il a disparu le réfrigérateur. Again? Oh là là. Ça commence. Non. Oh, je suis débile. C'est bon. Oh. Oh, ça va finalement, hein. Allez, on le finit aujourd'hui. Je pense quand même, Saturnum, en tant que personne extérieure à la France, que penses-tu de cet état d'urgence permanent qu'on nous impose? Eh bien, Angoulême, c'était particulièrement intéressant de se faire scanner au détecteur de métal et tout. Il y avait vraiment ça, en fait. Mais oui, il y avait vraiment tout le temps des détecteurs de métaux et des... Et beaucoup de vigies pirates, c'était un peu pénible. Ouais. Ouais. D'ailleurs, au moment que je suis arrivé à l'aéroport, il y avait un débarquement de l'armée. Il y a deux jeeps qui sont arrivés à l'arrêt du bus que je devais prendre, qui bloquaient l'entrée pour le bus. 15 militaires qui sortent avec les grosses mitraillettes et tout, qui entrent dans l'aéroport. C'était assez impressionnant. Mais j'ai aucune idée que ça a rapport avec Vigipirate, mais en fait, fuck oui. Alors. Là, on a un truc d'équilibre, voilà, je sais pas si vous testez, vas-y. Ok. Crossed, oula. Tu dois appuyer sur X. J'ai accroché le bouton sur... Tu dois appuyer sur X et le maintenir. Ouais. Pour faire en sorte qu'il y ait un truc d'équilibre gauche-droite, tu verras. Va falloir garder son équilibre. Ok. Il y a aussi les boutons directionnels, apparemment. Est-ce que t'as compris là? Parce que moi je... Oh non, ok. J'ai sauté trop haut, c'est ça? Ouais, je crois qu'il faut aller dans le vert en fait. Ok, c'est bon. Oups.
Ah oui, et là maintenant tu dois remettre le truc dans le verre, tu vois. Tu dois rééquilibrer avec le bout de stick ouais. pour aller dans le verre. Voilà. Pas mal, pas mal. Oh, c'était bizarre quand la masse a bougé. Ah, mais c'est vraiment bizarre, ça arrête vraiment. Oh là là. Il faut que tu maintiennes, ah, c'est quand t'enlèves. Ah, faut que je maintienne, ouais. C'est vrai, pardon. Ah, mais là. Hyper dur, là. Ok, ça va, en fait. Wow. Aïe, 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 aïe. Bien joué, bien joué. Ah, merde, j'oublie à chaque fois. Il faut tenir le bouton. Ah ouais, c'est quoi, tu relâches quoi. Ah. Oh là là, oh là là. Bon, ça va, hein, tu t'en sors quand même, mais. Ok. Oh là là, oh là là. C'est quoi ce vent fou qui va dans tous les sens? J'avoue, je trouve ça pas de sens. Ah, mais ça va beaucoup trop vite. Aïe, aïe, aïe. J'y suis, j'y suis. Alors, Megabug, je sais pas si le mot cool est vraiment le mot, mais il est assez particulier en tout cas. C'est une espèce de suite de mini-jeux hyper bizarre avec que des quick time events complètement cons. Oh, elle va se casser, elle va se casser. Ouais, je crois qu'il me reste une chance. Ouais. Ah, oh bon là si. Là, ça va tellement vite. J'étais bon. Si près du but. Ouais. Je pense que ça va de plus en plus vite. Hein. Ouais. Hop, ouais, là déjà, ça augmente vraiment ouais, beaucoup. Mais déjà très bien. Hein. Oui, c'est vrai, ce jeu. Encore je trouve le jeu généreux pour ce minigame. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce minigame ça va. Pour le moment, c'est pas trop dur. J'avais un souvenir ouais. pire en fait du jeu. Ouais. Mais je crois que ça vient vraiment dur avec le truc du carousel que j'ai jamais réussi. Ah ouais. Non, pas carousel à grande roue. Et oui, c'est vrai que le son est assez cool. Hein. Ouais. La musique est plutôt pas mal. Hein. Ok. Bien joué. Ah, zut. Mais je crois que je vais m'en sortir. Ouais, ouais, je pense que là t'es bon. Là. Aïe 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 aïe, et voilà! Ouais! Bien joué! C'est bon ça! Sauvegarde! Ah! Vite! Ouais! Tiens, je te laisse. Ah, heureusement qu'il y avait tous les restaurants et les cafétérias. Et il retombe parfaitement. Ah! Quelle ironie! Quelle ironie du sort! Ah non, ça va, il fait juste un petit, une petite pause. Pardon. Ah bon, on a fini la première. Stylé. Une nouvelle vie. Ah. Et là, on peut save. On va sauver quand même. Ok. En allant à Angoulême, j'ai eu un contrat. Mais oui. Comment ça? T'es pas au courant? Ah mais oui. C'est vrai. C'est pas rémunéré. Il est dans un... Oh mon dieu, il est dans une ambulance. C'est ça en fait.
Paramedics de A-Team. Alors, il faut répondre aux questions. Appuyez sur X pour oui et 0 pour O pour un rond pour non. Quoi? 10 correct answers are. Ah, il en faut 10 réponses justes. Et 2 réponses fausses dans. Un choc électrique. Ouais, si on les fait 2 à la suite. Are you okay? Ok. Quoi? Is basketball a sport played by 5 people? Oui. Oh, mais ça va trop vite, j'ai même pas le temps de lire. Ouais. Êtes-vous toujours en vie? 1 km? Non. Non. You're still alive? Is Maine the northernmost. Non. Heureusement que t'es là parce que. Oui. Je connais rien au sport. Heureusement, moi je savais du coup. Oh là là! 1 plus 1 divisé par 1 égale 2. Non. Ah, j'ai pas eu le temps de répondre, j'ai rien répondu. C'est mon imbécile. Quoi? Nightingale take an active. Oui. J'ai pas eu le temps de répondre aussi. Ah si, mais. C'était X. Bah alors je sais pas pourquoi, mais c'était peut-être pas la bonne réponse. J'ai aucune idée, c'est quoi ça. Danish flag, the oldest national flag in the world. The title. Oui ou non? Bon, c'était oui. Ok. Là c'était la blablabla. The French flag, the oldest national. Non. Ah, c'est chaud hein. Is this an even have a number? Bah oui. Heureusement qu'il y a des questions comme ça. Is basketball a sport played by 6 people? Non. C'était quoi? Oui, oui. Ah bah oui. What? Non. Mais non, puisque c'était personne fille, c'est pas ouais. Par zéro. Et je ne vois pas assez. Point A is 300 mètres nord d'une tour et point B 1 km. Oh là. What? Réponds. Ok. Fois 2, oui. Non, c'était faux! Merde! What? Putain! Les questions de fin, t'as même pas le temps de dire le truc, ça n'a aucun. Faut juste parler de chance. Mais oui, ça n'a aucune. Ça n'a aucun sens. T'sais, j'ai même pas le temps de sortir ma calculatrice. Bon bah, on va essayer. Is the currency of weapon. Non! C'était quoi, Lila? Ouais. Basketball, le sport? Non. Oui. Peut-être, oui. California, the westernmost state. Oui. C'était faux. Ah, non, c'est vrai, c'est un petit peu plus rentré. 1 kg, non. Non. Bah. Bien sûr. Oui, apparemment c'était oui alors. Je sais pas. ça c'était merci quoi? Merci des encouragements, Vincent. Non, oui, non. Il se campait pas. Non, c'est sûr. Oui, j'aimerais bien voir ça. Ouais, c'est très assez drôle. Non. Non, j'ai mis oui, oh, comme on a appelé. Si j'ai question. Ah, je suis fou. What? Réponds. C'était non. Neven a number, bah oui. Quoi, mais. J'ai rien eu le temps de voir. Est-ce que il va marcher? Oui. Quoi? Je comprends rien ce jeu. Je comprends pas ce qu'il dit sur le chat, mais j'ai pas le temps de le lire. Est-ce qu'on va réussir à passer ce niveau? Éventuellement, oui. On était proche au début. Ouais. Non, c'est vrai. À 1 cm, 10 millilitres, mais non. C'est vraiment ultra B. C'était quoi ça? Quoi ça? Qu'est-ce que t'as répondu? J'ai répondu non. Ok, non, c'est effectivement bon. Va d'un even a number. Non. Un even number, quoi? C'est un nombre pair. Ah, c'est ça, even, ok. Ouais, non. Mais c'est le Japan Lila. Oui. Ah, il y a quelqu'un qui te parle, invité ouais, mystère. Bonjour. À encre. Allô? What? Non. What? Réponds. C'était oui la réponse. Le 20 et 22 mai. C'est ça la question. C'est quand une baisse? Ouais, c'est en fin mai, je crois. 20 et 22.
Oui, c'était oui. Voilà. Ah ben... Ils sont minutes. Quoi? Réponds quelque chose. Ouais. C'était oui, on a réussi. Oh, oh là là. Mais alors ça, franchement. Ouais, c'est bon. C'était impossible de se concentrer sur le chat à l'instant. C'est Incredible Crisis. Alors, à toi. Ok. Après le jeu de l'aléatoire total. Ah, c'est un peu plus ouais. Cool ça comme jeu. Ah, ok, on peut juste y aller. Et là, tout le coup, c'est trop bien. Ça te rappelle pas un jeu qui s'appelle Course de F1? C'est mieux que tu veux pas sauter genre ou un truc comme ça? Non, mais si je fais des trucs trop trop rapide ça te... Ouais, ça me déséquilibre. Wow, c'est trop rapide. En fait, tu vois les lumières au fond, mais c'est vrai que ça va vite. Oh là là là, terrible. Ouh. Oh mon dieu. Ah oh, voilà. You win. Oh là là, mais tellement hardcore ce jeu. Oh là là, mon dieu. Non, faut vraiment éviter les véhicules. Les trucs. Non, les voitures essaient de t'éviter en fait. Ouais, ça c'est bon. Oh mon dieu, c'est juste effrayant. Ah par contre, eux ils se délitent pas, ils vont tout droit. Oh là là, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur, mec. Ah, je l'avais eu. C'est quand même assez long, mais... Ah, mais non, ça va être chaud, ça va être chaud. C'est moi. Oh mon dieu, les voitures t'évitent plus, on dirait. Non, ça en fiche. Waouh. Ok, à toi, parce que c'est pas mon fort. Je sais. Le manger après. Ouais, on va. En fait, après ce mini-jeu, on fait une pause. Cool. Yo. C'est juste des équilibres, c'est pas mal. Le plus important, c'est donc d'éviter les motos. Ouais. Oh mon dieu, mon dieu! Oh non! Yoé! Oh là là, tellement hardcore! Comme l'émission sur internet. Aïe! Célèbre émission Exa. Marty, c'est Exa? On ne sait plus ce qui est arrivé de cette émission. Ouais, c'est je sais pas ce qu'ils font maintenant. Mais... Ouais, non. C'était longtemps. Oh là là! Ah putain, impossible! Oh mon dieu! Ça va, tant mieux. Même. Non! Putain! On devait être tellement dur à contrôler. Ça va, il y a rien à faire. Ouais. Oh, lui, ce sont alors là. C'était trop loin. Ouais, en fait, il bouge d'un carré, quoi. En fait, ouais. Oh là là là. Qu'est-ce que pas cher à Bruxelles? Ah non, Bruxelles, ça coûte pas cher, justement. C'est pas du tout comme Paris, c'est même l'inverse qui augmente. Oh là là. Bon, j'espère y arriver, mais c'est... C'est mieux que moi. Oh mon dieu! Tu peux le faire. Oh là là. Les motos sont plus vite. Ouais.
Ah, là, c'est tout là. Oh la chance, oh mon dieu! Oh mon dieu! Ah, c'est bon, tu l'as! Oh ouais. Mon dieu! Bon, alors la petite sauvegarde, hein, parce que comme on n'est pas fou. Tac, et je vous propose une petite pause. Petite pause, on met quelques musiques, voilà, il n'y a pas de thème, hein, parce que c'est. Voilà, c'est, là on est peinard, il n'y a pas de thème. Voilà. Mais sachez que Bruxelles ne coûte pas cher. C'est pas tant que ça une grande ville. C'est pas tant que ça une grande ville. Et on revient dans 10-15 minutes. Parce qu'on va manger en fait, donc 10-15 minutes, voilà. A tout à l'heure, à tout de suite. À l'heure.